Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom mon frère, ma sœur. Bonjour à toi. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu encore aujourd'hui. C'est une joie d'être en vie aujourd'hui. Et c'est encore plus une grâce de voir ce nouveau mois de septembre. Donc aujourd'hui, 1er septembre, je te souhaite un bon début de mois. Est-ce que tu peux dire avec moi, mois de changement? Mois de changement, mois de transformation. Parce que oui, je viens aujourd'hui t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que ce mois sera un mois de changement pour toi. Ce mois est un mois de transformation pour nous. Ce mois est un mois de transformation intérieure. Oui, parce que dans la première lecture de ce jour, il est dit que la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son propre corps, dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous venons dans ta sainte présence implorer ce changement, cette transformation intérieure. Nous te prions, Seigneur, de nous changer. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu changes, que tu me changes, que tu me transformes, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. J'entre dans cette dernière phase de l'année 2023 et peut-être je me dis que je n'ai pas encore accompli certaines choses, je n'ai pas encore quitté un certain péché en particulier, je n'ai pas encore fait ce que Dieu attend de moi. Mais je veux te dire, mon frère, ma sœur, qu'il est temps. Et aujourd'hui, c'est le jour où nous allons demander au Seigneur de nous changer, où nous allons demander au Seigneur de nous transformer, de nous renouveler, de renouveler nos forces, de changer ce qui en nous n'honore pas son nom. Je veux que tu fasses cette prière avec moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne, change-moi. Je ne veux plus être la même personne, change-moi. Change-moi, Seigneur, change-moi. Change-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change-moi. Je ne veux plus être la même personne. Change-moi. Est-ce que tu peux dire avec moi? Change-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne, change-moi. Tu peux lui dire transforme-moi, transforme-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, en un instrument de ta paix. Je ne veux plus être la même personne, transforme-moi.
Je ne veux plus être la même personne. Transforme-moi. Et je veux te dire, mon frère, ma sœur, que ce changement n'est possible que si nous avons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous touche. C'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle. C'est le Saint-Esprit qui nous change. Alors ce mois également, ce mois de septembre, je prie que ce mois également soit un mois de restauration, soit un mois de rencontre avec le Saint-Esprit pour toi, mon frère. Peut-être que tu étais déjà dans la présence du Saint-Esprit, mais je prie encore qu'il te transforme, qu'il te renouvelle. Alors le Saint-Esprit nous touche et sa main est efficace. C'est pourquoi nous allons chanter ensemble que ce même Esprit nous touche, qu'il nous change afin que nous devenions des nouvelles personnes. Ma vie par ta main, ma vie change. Tu touches ma vie par ta main et ma vie devient une nouvelle vie. Saint-Esprit, touche ma vie par ta main, ma vie change. Saint-Esprit, touche ma vie par ta main, ma vie change. Saint-Esprit, tu touches mon cœur en ce moment. Tu touches mon cœur par ta main, mon cœur change. Tu touches mon cœur par ta main et mon cœur devient nouveau cœur. Saint-Esprit, touche mon cœur par ta main, mon cœur change. Tu touches mon cœur par ta main, mon cœur change. Tu purifies mon cœur par ta main, mon cœur change. Merci Saint-Esprit, merci de nous renouveler, merci de nous transformer pour ce nouveau mois. Et nous croyons fermement, Saint-Esprit, que tu seras avec nous durant tout ce mois de septembre. Ce mois qui est consacré aux anges et aux archanges. Nous croyons également que les anges du Seigneur seront présents avec nous. Que Saint-Michel Archange et toute la milice céleste seront présents avec nous. Alors je souhaite également pour ce mois de septembre, mon frère, ma sœur, et je prie pour toi, que ton ange gardien, que tous les anges soient avec toi. Et ne cesse surtout pas de louer, d'adorer le Seigneur durant tout ce mois avec les anges. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit hautement loué et que toute la création proclame sa louange. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.